Salut à tous, c'est Lil Kills. On se retrouve pour une petite vidéo sur The Crew. Donc par contre, c'est pas du live. Je fais un commentary. Donc avec le petit micro posément et je regarde les images. Donc là, on se retrouve dans le garage de The Crew. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que attendez. Donc ça c'est l'atelier. Donc ça c'est ma voiture, une Dodge. Donc attendez, on va sortir normalement. Donc j'espère que vous ça va bien. Moi ça va bien. Après ce que je fais là, collection, capacité, voilà, donc ça c'est tout ce qu'on peut faire, progression dans le jeu, les voitures cachées, je vous expliquerai au fur et à mesure du road trip. Donc aujourd'hui c'est Miami, Miami, Las Vegas, donc là je vais sortir, voilà. Voilà. Donc attendez, normalement, je vais sortir le portable. Voilà. Donc, comment dire? Sur le portable, en gros, on a plusieurs. Ça s'appelle garage mobile. Donc on a plusieurs véhicules. Donc on a les voitures perf comme celle que j'ai. Après normalement. Bon, qu'est-ce que je fais là? Voilà, garage mobile. Donc il y a des full stock. Les full stock, c'est les voitures qu'on achète aux revendeurs, donc au concessionnaire. Ensuite, ouais, donc là c'est bon, j'ai trois voitures. Donc là, je vais vous montrer. Donc la perf, c'est ce que j'ai voilà, actuellement. Ensuite, on a la dirt, normalement. Kiki met la dirt là. Ah non, donc ça, pendant. Non, ça, c'est la première voiture que j'ai. En gros, qu'on achète et qu'on met en street. Street, c'est pour la route et tout. Voilà, donc ouais, street, c'est pour la route. Ensuite, on va passer au dirt. Donc, dirt, c'est pour tout ce qui est terre. Chemin de terre, juste. Hein. Pas off-road. Donc, voilà, petit tuning pas mal. Vous verrez tuning quand on arrivera à Las Vegas. Donc, ça, c'est la map. Qui est énormissime. Tout simplement. Voilà, donc j'ai même pas dit les développeurs du jeu. Ivory Tower en tant que développeur. Ubisoft, normalement vous avez vu en début d'intro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça fait bizarre de parler en commentaire quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Perf, c'est bon. Street. Ah voilà. La voiture cachée. Donc le Hot Rod. Qui est pas mal, merci de me dire ce que vous en pensez. Donc là, on va à Las Vegas, oui, ça je sais. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, en gros, les voitures cachées, ça se trouve dans le Midwest, dans la côte est, dans le sud. C'est tout. Comment dire, c'est là où se trouvent les pièces, quoi. En gros, faut chercher par soi-même. Sur la carte, il y a. Enfin, normalement, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur la map. En gros, ça clignote et tout quand on se rapproche d'une pièce, d'une tour radio, etc. Là, on passe à une autre voiture, une Dodge SRT 8, je crois. Charger. Voilà, Charger. Là, je vais repasser en perf normalement. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Hop, je désactive tout pour que ça fasse plus beau le road trip. Donc, par contre, je vous dis d'avance que j'ai pas pu enlever des noms. Parce qu'en gros, oui, ça affiche les noms des joueurs qui sont à proximité. Enfin, proximité. Qui sont à 72 km de moi, enfin bon, il faut à peu près 1 h 30 pour traverser la map. Enfin voilà, on va reprendre. Normalement, je vais retourner en voiture perf, et je vous laisse. Je vous reprends si j'ai des choses à dire. Puis voilà, allez, c'est parti.
Donc voilà, déjà, petit défi, un défi vitesse en gros, dès qu'on rentre dans les petits trucs comme ça que vous avez vu. Il y a plein de défis en fait, vous verrez bien au cours du road trip. Donc en gros, ce but du défi, c'est que je dois aller très vite sans toucher de trucs. Il faut que je rattrape la médaille d'or. Bon, la médaille d'or là pour l'instant c'est UB3, dédicace à lui. C'est un fantôme, hein, il a pas joué avec moi. Donc là, normalement, là, je vais avoir l'argent. Oh, GG, Kiki. Et voilà, je vais me cracher comme une merde et j'ai pas eu l'or. Donc voilà, on continue. Le petit road trip. Ah bah je l'avais déjà eu l'or. Une fois que la pièce ne nous convient pas, c'est directement au QG. C'est envoyé au QG. Je sais plus comment on fait pour... comment dire? Les pièces moins 5 en fait, en gros, je sais pas si on peut les récupérer sur d'autres voitures en fait, je sais pas encore. Donc le défi fuite en gros consiste à... Donc en gros vous le voyez pas, normalement il y a la minimap. En gros il y a un truc rouge qui nous suit. Normalement je vais perdre je crois, je sais plus. Mais ah non c'est bon, je vais y arriver. Et en gros faut qu'on fuit le plus possible en fait. Tout simplement. Ah bah non, je vais réussir. Easy money, dans le building. Sauf si je me foire ici. C'est bon, nickel. Ah vous voyez le petit truc rouge en bas de la carte? Voilà. En gros, ça veut dire que ça m'a rattrapé. Bref, j'ai eu l'or. On continue le road trip, j'espère que vous kiffez. Pour l'instant, c'est que le début, hein, normal. Allez, c'est parti. Voilà, donc plus 15, 496. Voilà, donc ça augmente plutôt bien ma voiture. Enfin, voilà. Voilà, donc par contre, problème avec ce jeu, c'est qu'on ne gagne pas assez d'argent. Au niveau des... Comment dire, quand on fouille un peu la ville, quand on explore et tout. Les courses, ça rapporte que 1600, je crois. Un truc comme ça. Et pour gagner pas mal d'argent, il faut faire des JCJ. En gros, oh putain, JCJ en gros, c'est des courses avec d'autres gens. On rentre dans un salon et on fait d'autres courses. Et même si on finit dernier, ben moi j'ai gagné 9000. Parce qu'à chaque fois, les mecs sont niveau 1250 avec leur voiture Lamborghini, etc. Enfin voilà. Voilà, donc là, petite vue du conducteur, je vous laisse apprécier. Alors, un petit défi slalom qui est un peu dur, tout dépend du terrain en fait. Logiquement, je me foire souvent à ça, comme les défis de précision. Et parce que les défis de précision, faut être vraiment, vraiment, vous allez me dire, ouais, faut être vraiment précis. Bah oui, normal, logique. Enfin voilà, là normalement, je sais pas si j'ai le bronze, je crois pas. Parce que c'est quand même dur. Voilà, comme. Crash comme une merde. Ah oui, merci de me dire quel véhicule vous avez préféré que je vous ai montré. Puis voilà. Donc les défis destruction qui sont aussi très chauds. Encore un défi de précision.
En gros, j'ai l'impression que, comment dire, à chaque fois vous allez remarquer que certains trucs diminuent en fait. Là, normalement, ça diminue pas. Mais en gros, vous allez voir que la, comment dire, la largeur des points où il faut aller. Bon, là, c'est pas le cas. Mais vous verrez dans les prochains défis, trucs comme ça. Vous verrez que des fois, il y a certains trucs qui rétrécissent. Et en gros, bah, faut être de plus en plus précis pour pas que la caisse elle parte en couille. Après, je vais parler niveau graphisme, les gars. Là, vous voyez que pour l'instant, on est dans le sud. Oula, Los Angeles. De Los Angeles. Pff, ouais, j'ai pas vu encore. Et on est dans le sud des États-Unis, vers la Floride, tout ça. Dallas, bientôt, je crois. Enfin, bientôt, ça, je ne sais pas. Et voilà. Voilà, voilà. Donc là, vous regardez bien les environnements, comment ils changent beaucoup. Bon, là, c'est le sud, ça va se ressembler pendant peut-être 10 minutes. 10 ou 20 minutes, je sais pas. Parce que je mets quand même une heure pour traverser tout, quoi. Un petit peu, moi. Avec le papotage, etc. Les lieux que je vais visiter. Je vous laisse kiffer, les gars. C'est parti. Donc là, on arrive, je sais un peu dans quelle ville on est, mais on est au Texas en tout cas. Groom. Groom. Donc, ça c'est un point d'intérêt. Donc c'est parti. En gros, ça nous dit... comment dire... Ça nous montre un peu les lieux en vue cinématique, quoi. Et franchement, c'est pas mal. À chaque fois, on gagne 2 000 $. Donc c'est mieux qu'une course, en fait. Et puis voilà. 25 XP, ça c'est pas beaucoup. Mais bon, on augmente très vite d'XP, donc ça c'est bien. Hop là, donc là je vous interpelle, on est tombé sur un joueur. Ah bah il a disparu. Et en gros on peut faire des... Imaginons, comment dire, j'ai un joueur avec moi, imaginons il croise mon chemin comme lui. S'il veut, lui, imaginons il va à Las Vegas ou à Los Angeles. Il peut faire un bout de chemin avec moi et tout d'un coup il peut bifurquer. Et en gros, ben, c'est assez stylé, quoi. Des fois, je vais essayer de vous proposer ça avec avec un pote, deux ou trois potes. On va voir s'ils acceptent et puis voilà. Voilà, voilà. Allez. Amarillo. Eh mais Amarillo, c'est pas dans Red Dead Redemption, un truc comme ça? Je crois. Hein. Dites-moi si je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Hein. Ça me dit quelque chose. Très belle ville en tout cas. Un peu un gros bâtiment en plein milieu, mais je crois que c'est ça, hein, c'est dans Red Dead Redemption, c'est énorme. Si c'est ça, c'est énorme. Alors je vous tiens 2 minutes, excusez-moi, je vous coupe dans un moment peut-être stylé que vous kiffez. L'impression de vitesse est là. Le seul problème, c'est que quand on rase les véhicules, j'essaierai de vous le mettre, et je pense que vous le verrez d'ici... avec tous mes épisodes. En gros, quand on prend une voiture par exemple de face, on se la prend. On se la prend pas. Tout dépend comment vous la prenez. Si vous la rasez un petit peu, bah vous la frôlez. Ça nous bouscule un petit peu sur le côté. Donc ça peut-être déranger certains. Moi ça va, ça me dérange pas. Question d'habitude. Et puis c'est tout. Au niveau graphisme, peut-être un petit peu plus beau. Il aurait été beau. Ça m'a rien à ce que je dis. Sur PC, c'est sûr, il est très beau. Mais sur PS4, voilà, attendez, même GTA 5 il fait mieux, quoi. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça, je sais pas c'est quoi comme défi. Défi saut. Ah bah voilà. Donc là normalement, je vais avoir que la médaille de bronze.
Voilà. Après, tout dépend quelle caisse on a, quoi. Après, quand on veut vraiment développer sa voiture, on recommence chaque truc et tout. Donc là, j'envoie la pièce au QG, ça me sert à rien, plus zéro. Donc normalement, j'ai 150 000 de côté. Je vais essayer d'avoir une putain de voiture pour... je sais pas combien d'épisodes, mais je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de saigner le jeu, je suis au chômage, j'ai le temps. En même temps, je vais chercher du boulot aussi, ne vous inquiétez pas. Pas pour ceux qui s'inquiètent de moi, bien évidemment. Hop, c'est parti. Voilà, donc là on arrive dans un petit village, donc profitez parce qu'on va pas passer 10 000 ans. Petit village bien sympathique qui peut rappeler des petits westerns, tout comme ça. Donc là on est aux Rocheuses, les gars, au passage, je vous ai pas précisé. On est dans un défi destruction, on s'en fout, hein. On s'en fout de montrer le début, c'est juste des petits défis pour monter ma caisse, quoi. Je pense que vous en foutez, vous préférez voir du paysage. C'est vraiment stylé, ils ont mis vraiment plein de trucs. Là, comment dire, on voit quand même que la ville, enfin que la map, elle bouge en fait. Ah, Santa Fe. Ah. Santa Fe, c'est beau. Santa Fe, c'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est boche. Donc voilà, petite vue sur Santa Fe. Regardez un peu cette vue, les gars, qui est magnifique. Bon, par contre, la musique classique, c'est mort. Donc, ah oui, je tenais à vous préciser que quand j'enregistrerai avec des potes, il n'y aura pas forcément la musique du jeu. Parce que, en gros, vu que je peux pas. Enfin, en gros, c'est un problème avec le son quand j'enregistre ma voix et ceux de mes potes. Et voilà. Donc, j'espère qu'ils vont bien aller sur Skype et tout, enfin, on verra bien. Au pire, j'enregistrerai avec la PS4. Je sais pas comment je vais faire. On va voir ce que ça va donner. Puis on verra bien. On verra bien. La musique et tout, je mettrai peut-être une de mes musiques plus posée que d'habitude. Je mettrai pas forcément de la trap, comme vous savez que j'aime bien ça. Enfin voilà, défi fuite. Oh, bon, encore la même chose. Voilà. Et matez bien le paysage, les gars, parce que c'est ce jeu est magnifique pour ça, quoi. C'est vraiment de l'exploration de ouf, quoi. Il y a une histoire, bien évidemment, dans le jeu, mais bon, c'est pas. Elle est bien l'histoire. Mais voilà, quoi. C'est vraiment, on peut pas sortir, on peut. Et voilà. Moi, ça me dérange pas, quoi. C'est vraiment un jeu de course pur et dur, quoi. Ah là là, petit trophée. Petite trophée là, enthousiaste.
pont de San Juan. Oh, je l'ai fait avec un accent, là. Qui est très magnifique, le pont de San Juan. Très 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 beau. Peut faire appeler à des films de western. Pour ceux qui connaissent. Enfin, moi, je sais pas, hein. Il me dit quelque chose, ce pont. Si vous l'avez déjà vu dans un film, ça nous va le dire. Ou voilà. Ah oui. Donc, les gars, on peut vraiment aller partout sur la map. Vraiment partout. Genre là, à droite, si je veux, là, je peux y aller. Je suis pas obligé de rester que sur la route. Vous verrez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des chemins de dirt. Enfin, de terre, quoi. Et on va à Las Vegas pour vous montrer un autre type de. Parce qu'en gros, à droite, c'était pas des chemins de terre. Hein. C'était vraiment la terre pure et dure. Voilà, quoi. Il y a une différence, vous verrez bien qu'on arrivera à Las Vegas. Vous allez kiffer de night, en plus on va. Une petite surprise qu'on va arriver à Las Vegas, les gars. Petite surprise. Ah voilà, enfin un défi avec les portes, défi précision. En gros, on doit passer dans les portes et vous voyez que ça rétrécit de plus en plus. Donc en gros, le mieux c'est de viser les traits jaunes. En gros, les délimitations de la route quoi. Et puis voilà, après vous, ça vous le gérez. Pas comme moi, voilà. Bon petit crash de ces morts. Mais regardez bien le paysage quand même autour et tout, je vous le montre pas forcément parce que je conduis, mais faut pas me taper des crashs, même si je me crache souvent, parce que je ne sais pas conduire dans les jeux. Mais bon. Ah ouais, quand même 528. On s'arrête pour voir le petit coin de paradis. Enfin, 2 minutes, on va s'arrêter. Voilà, c'est reparti déjà. Pour vous montrer franchement que c'est magnifique ce jeu. Regardez le ciel, il est. Faut pas me dire qu'il est moche. Petit défi slalom que je m'en fous en fait. Je crois que je m'en fous carrément en fait du défi. Et en plus je pars comme une merde. Ah non je m'en fous pas. Ah non je le gère. Hein. Ouais, ou pas mais. Ouais. Vas-y, d'où il le prend pas là, vas-y, putain. Voilà, t'as une voiture qui gêne, ça c'est mal fait. Ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Parce que à chaque fois est-ce que vous voyez recommencer le défi à chaque fois? Ah bon. C'est comme ça. Hein. La musique de ce jeu est magnifique. Je pourrais pas vous la mettre tout le temps. Tout dépend si je suis seul ou pas. J'essaierai d'être seul le plus souvent, mais bon. Ce qui serait bien, c'est de faire partager un peu mes potes. Et puis voilà. Puis c'est mieux à plusieurs, on rigole mieux à plusieurs. Pff, en plus, ça commence à faire nuit là. C'est magnifique. Lac Mead. Ah, faudrait que je trouve le lac Powell aussi. Faire en vidéo, ça peut être pas mal. Si, lui, bien évidemment. Ah voilà, un défi de ligne de course. Faut que tu restes dans la ligne le plus loin possible, faut que tu marques le maximum de points. Et puis voilà. Allez, hein. Et en gros, ça rétrécit à chaque fois le chemin et c'est chaud et vu que tu gagnes de la vitesse et tout, après tout dépend de ton chemin. Là, donc là, je m'en fous parce que c'est pas mon itinéraire.
Il y a demi-tour, mais on s'en fout. Là, on arrive sur un putain de pont. Je vais vous montrer la putain de cinématique. Je sais pas pourquoi je dis putain, mais putain. Et voilà les gars, on est arrivé à Vegas. Donc Vegas, bah Las Vegas quoi. C'est une ville magnifique. Peut-être un peu trop de lumière à mon goût. Enfin comment dire, le jeu, hein, je parle du jeu. Sinon dans la vraie vie c'est différent, c'est beaucoup plus beau. Donc on va y aller. J'ai pris la voiture d'Earth. Là ça va pas passer, voilà. Pris la voiture d'Earth, bon je sais pas si ça va plus, si c'est plus rapide que la voiture perf, mais. Que là c'est un chemin de terre normalement, mais bon. Enfin, c'est pas trop terre, c'est plutôt terre bitume. C'est entre les deux. Donc, je vais vous faire visiter le trip. Le strip, pardon. Le trip. C'est la musique magnifique, quoi. Enfin, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Las Vegas, je vais vous montrer. En gros, ben, là, un peu là où je connais, quoi. Parce que oui, j'ai été à Las Vegas. Sans me vanter. Non, plus sérieusement. Oui, j'y suis déjà allé. Je vais même vous montrer l'endroit où j'ai dormi. À peu près, hein. Je peux pas vous montrer non plus l'endroit exactement, lequel bâtiment. Mais bon. Ah, mission principale. donc là on doit être au nord de Las Vegas normalement. Bon on s'en fout de ça mais bon. Hop, là on tourne. Kiki t'as oublié de tourner. Hop, voilà. Donc on se retrouve sur. Attendez, attends, faut quand même rentrer dans la ville avant de se dire on se retrouve. Jeu très magnifique au passage. C'est quoi que je cherchais? Accélère Kiki là. Voilà donc entrée de la ville, vous voyez les gros bâtiments, c'est vraiment magnifique quoi. On pourra quand même rentrer avant de faire n'importe quoi. Oula oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, et la tour, vous voyez. Vous avez vu la tour, elle est magnifique. Regardez-la bien parce qu'on va pas la voir souvent. Et puis quand on se met au pied, bon, on voit que dalle. Donc allez les gars, on se retrouve à l'entrée du strip. Et donc voilà, on arrive à la fin du strip, donc maintenant je vais vous préciser quel bâtiment est quel bâtiment. Donc là on a à gauche, attendez, le Sphinx avec la tour de je sais plus quoi là, la pyramide de Khéops, je crois, c'est ça.
Après, je pourrais pas vous dire exactement les noms, hein, je me souviens à peine vaguement. Ça, je sais plus ce que c'est, ça, je sais plus. Ça, je sais pas. Ça, c'est les châteaux. Je sais pas d'où c'est tiré, je m'en rappelle plus. Ah, le New York, New York. Donc, j'ai pas pu vous le filmer très bien. C'est un peu galère à filmer, c'est dommage. Ah, le Paris, Paris, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est magnifique, là on va aller en dessous, bon on va pas pouvoir voir. Mais c'est magnifique quoi, c'est. Ils ont fait vraiment un beau travail quoi. Et encore on n'a pas fini, on a fait que Miami et Las Vegas là. On a encore plein d'autres choses à voir les gars. Si ça vous plaît bien évidemment. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous plaît ce type de. Bon les road trips voilà vous connaissez hein. Tout le monde fait ça sur The Crew. Mais moi je. Comment dire, je vous montre vraiment les beaux paysages et tout. Voilà ce que j'apporte en gros, c'est j'apporte aussi les. En gros, je vous fais découvrir le jeu quoi. Après, dites-moi si je les explique mal ou pas. Ah, la petite tour de Las Vegas qui est très belle aussi. Donc là, je vais vous montrer l'endroit où j'ai dormi. Donc là, c'est le Circus Circus. Je vous ai oublié le Bellagio. Ça, je pense que vous connaissez Bellagio, tout ça. Donc le Circus Circus, moi j'ai dormi dans les tours comme ça à droite là. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on va rentrer dans quelque chose. Ouais, on va rentrer dans le préparateur Raid. Donc le préparateur Raid. Cinématique très sympathique au passage. Le préparateur Raid, c'est. En gros, comme je vous ai dit, c'est du off-road en fait. On va pouvoir aller à plus de 200 sur les cailloux, sur ce que vous voulez. Merci de me dire si vous voulez un petit gameplay sur ce que vous voulez. Hein. Et vous me dites. Un truc en dirt, un truc en off-road. Enfin, normalement, je vais vous le montrer. Donc, c'est parti. Choisir un kit raid. Alors. Niveau 30, c'est Zoé qui me le paye. L'histoire, on s'en fout. Hein. C'est parti. Ah là là! Ah ouais, niveau 514 la caisse. Ah ouais. Donc, c'est parti. On a deux catégories, esthétique et performance. Pour l'esthétique, on a la couleur. Voilà, donc on a le métallisé, les couleurs officielles de la marque. Donc de Dodge, bien évidemment, pour celle-ci. Donc là, je vais pas pouvoir tuner les pare-chocs. Un petit sou... Enfin, c'est pas trop grave. Je vous montrerai dans d'autres véhicules, vous pourrez voir, bien évidemment. Hop. Voilà, donc là je fais un peu le tour de toutes les couleurs hein, pour vous voyez un peu. Hop, un petit blanc. C'est un gris blanc, c'est un peu chelou comme couleur. Donc là on a les drapeaux pour les stickers. Donc il y a plutôt pas mal de choses. Voilà, là on commence à rentrer dans les trucs un peu plus chauds, on va dire. Des petits trucs un petit peu décalés, là j'aime bien. Irlande. Irlande, Italie, voilà, chaque fois je confonds les deux drapeaux. Alors je suis italien, mais bon. Sicilien au passage. Dédicace à eux, voilà. Voilà, le drapeau comme ça. Pouf, ça, celui-là je le kiffe. Celui-là aussi. Ça fait très Dakar, j'aime bien. Oh, ça aussi, c'est très très lourd. J'aurais dû le mettre, il est beau. Voilà, on fait un peu le tour hein, de la caisse. Pff, magnifique, 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 magnifique. Les flammes, truc de kéké, pour ceux qui disent. Mais bon, ce jeu, c'est qu'un jeu, c'est pas non plus la vraie vie, hein. Je mettrai jamais des flammes comme ça. C'est pour ça que je l'aimais pas. Bah, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus beau. Enfin, beau pour vous, je ne sais pas, mais. Les bandes plus classiques. Qui fait très domino au passage. Après, voilà, on a plus des trucs. Voilà, du style comme ça, autocollant et tout.
Voilà. Ça fait très code Lyoko derrière. J'aime bien, donc je vais l'acheter. Allez! L'intérieur. Ça c'est bien, on peut choisir l'intérieur et tout, parce que quand on conduit, si on prend une voiture jaune et courante, c'est un intérieur bleu, c'est vraiment, ça fait un peu bizarre quoi. Après, tout dépend de la voiture et tout. Petite jante, petite paire de jantes. Voilà, un petit truc discret. Pas très belle forcément, mais petit truc discret. Niveau de l'intérieur, on s'en fout, jante, on l'a déjà fait, voilà. Donc performance, c'est au niveau des. Donc, pour l'instant, j'ai rien débloqué. Hein. Niveau. Oui, voilà. Niveau performance, il faut faire les défis, comme je vous ai montré. Précision, etc. Puis là, voilà, les gars. Collection de voitures, ça c'est bien, c'est si on veut acheter les voitures. Au lieu d'aller au concessionnaire, on peut directement les acheter ici. Enfin, voilà, les gars. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Lil Kills. Merci de me mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si vous aimez le concept. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont venir, Far Cry dans un peu plus longtemps que peut-être un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Avec quelqu'un que j'aime bien normalement. On verra, j'attends sa réponse. Et puis voilà. Hein. Là, GTA bien évidemment, qui vont arriver en masse. Puis voilà. Les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Lil Kills. Et. Pa, 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 pa. Ah oui, prochaine étape. Las Vegas, Los Angeles. So keep your head